Hello tout le monde, ce soir je vous retrouve pour une react sur le film d'horreur Fear Challenge qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais parle d'une bande d'amis youtubeurs qui vont se rendre dans un lieu un petit peu connu apparemment et vont vivre pas mal de choses très attrayantes. Je vous ai fait une première vidéo sur la react de la bande annonce qui m'a clairement donné vraiment envie et là j'avais vraiment envie de vous faire une react sur le film d'horreur. Alors c'est parti, on va découvrir ce film ensemble si vous ne l'avez pas encore vu. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo si cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Je suis venue avec Jimmy, ma petite mascotte de maison, et comme j'ai demandé à mon copain de sortir pour être seul, pour être en totale immersion pour ce film, là j'ai pris ce gros casque qui va vraiment me mettre à fond dans chaque petit son, chaque petit truc pour être à fond en immersion et vous partager au mieux mes réactions. Ok, c'est parti, je lance le film. Tu es prêt, Jimmy? C'est parti. J'adore quand ça commence dans une forêt. Au début, la vue du haut, c'est... En plus, ça a l'air d'être en automne. Un hôpital désaffecté près de Berlin. De tuberculose. D'atroces expériences. Oh, bah, je vois ce que c'est. Ils ont vraiment pris un lieu connu, c'est ça le pire? Ça doit être stylé de faire un film dans un lieu désaffecté. Depuis, la rumeur parle des crimes mystérieux. Oh, le son. Je me sens agressée sensoriellement. Redoute les espaces confinés. Ok. Du coup, j'en ai fait un challenge. C'était dans un ascenseur et je l'ai réussi. Allez, résiste. Cool. C'est trop un bon concept de faire des vidéos de se confronter à ses peurs. Pas con du tout. On est là. Salut les gens. Vin, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font? On a réussi à entrer dans l'enflure. Hé hey, les gars. Mais ils sont dans une morgue. Delta. Oh non. Attention. Mec, c'est fou, c'est fou. On est en train de faire ça. Regarde ça, dis-moi que je rêve, dépêche. Je suis un peu choquée. Excusez-moi, pause. Donc en gros, les gars, ils ont clairement fait un morpion pour déterminer quelle porte ils allaient ouvrir pour choisir un cadavre au hasard avec le kiff avec lequel faire des photos. J'ai été un peu choquée cette scène. Pas du côté effrayant, du côté moral. Ah, je me sens agressée sensoriellement dans ce film. Ah, la musique est affreuse. J'aime pas l'allemand, donc les musiques en allemand... Que c'est que cet appareil? C'est une caméra thermique. Tu savais que les fantômes modifiaient la température ambiante? Mais tu crois vraiment au... J'aimerais trop avoir une caméra thermique. Si vous voulez que j'ai une caméra thermique, j'ai un lien Tipeee dans ma barre d'infos si vous voulez participer au projet. Cette chaîne YouTube ne génère pas assez de revenus pour en acheter une pour l'instant. Oh, mec. T'es en train de me filmer, là? En saison pour des visites, j'ai juste besoin d'une seule clé. Ah, c'est un mec qui travaille là-bas pour ouvrir pour des visites. Ah. J'ai tout prévu, vous savez, comme d'habitude. C'est ça qu'il faut comme contact pour nos vidéos. S'il y en a parmi vous qui travaille, qui fait des visites de lieux désaffectés en Alsace, contactez-moi. Je serais ravie de passer 24 heures dans un lieu désaffecté aussi. Ah, je kiffe le lieu. Ah, c'est trop beau. Ah, ça me donne tellement quand je les vois tous ensemble comme ça, sortir de la bagnole, toutes les affaires et tout. Qu'est-ce que ça me donne envie de faire ça? Hey gros, les phénomènes paranormaux commencent. C'était un bruit de quoi ça? Non, sérieux, c'était quoi? J'aime trop que la vidéo elle démarre quand ils sont en train de s'installer, qu'ils sortent leurs affaires, qu'ils luttent un peu pour arriver au lieu désaffecté. J'aime bien parce que j'aime bien quand on est immergé dans les enquêtes en fait. C'est vrai que ça donne vraiment l'impression au spectateur de... d'être avec eux dans l'aventure en fait. Petite poupée abandonnée sur les lits en ferraille, c'est très creepy comme ambiance. Magnifique plan de vue. Oh, il y a déjà eu un truc, mais en fait ça aurait pu être un simple humain qui passe, mais comme ils mettent un vous à fond de son, bah on est flippé quoi. Ah ouais.
C'est la musique qui fait toute l'ambiance à ce moment-là. Le jeu commence. Oh, un petit cheval à bascule comme ça. J'en ai un dans ma chambre. Très creepy. Ah, premier événement paranormal peut-être. Ah, je me sens... Les moustiques, les bestioles, c'est pas mon truc du tout. C'est parti. Ils font une Ouija avec un crachoir. Hein. Yo, j'appelle le monde de l'au-delà. Charlie, je suis pas sûre qu'il faut le dire comme ça. Alors je leur récite un poème ou quoi? Ah, ils s'y prennent mal de ouf, hein. Et... Putain, c'est dangereux, mec. Oui, oh, je me suis effrayée. Oh, putain, je me suis effrayée. J'aime bien quand on a la vue sur les caméras libres. Donc là, on avait clairement le cheval à bascule qui bougeait tout seul. Et là, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ah, le truc du bébé, il s'est rallumé. Oh, c'est quoi ce... On a entendu des... C'est pas le vent, ça. J'aime trop les plans de vue de caméra embarquée comme ça. D'accord. C'est, par contre, c'est grave exagéré. Ouais, ça fait vraiment système audio parce que ça fait pas réel le... Exprès comme ça. Donc... Ah, il y a trop de suspense ambiance avec la musique et tout là. Il y a trop de suspense. On voit plus rien en plus. Putain, on va avoir un slasher ou pas là maintenant? Eh ouais. Ah, j'ai trop kiffé le plan de vue. Ouh, j'ai des frissons. J'ai les frissons. J'ai l'impression que je mets tellement de films, je suis immergée avec eux là. Je suis dans mon salon, dans le confort, et j'ai l'impression d'être dans un lieu froid et désaffecté. Quoi? C'est quoi? Non mais sérieux, qui a fait ça? Tu rigoles, t'as vraiment des mythes dans tes poches? Ouais, j'ai besoin de... Ah, des mythes dans les poches. Ah, ça me dégoûte. Ça me rappelle avec Amandine quand on a fait la vidéo What's in the Box où on avait des verres de... On y va. Ah, dégueulasse. J'aime pas ça du tout. Je me sens vraiment agressée sensoriellement dans ce film. Ah, oh putain, je m'y attendais pas du tout. Est-ce que Betty est morte? La prochaine fois que je ferai des explorations et tout, je vais trop penser à cette scène maintenant. La baignoire est intacte, hein, bien sûr, donc c'était soit une manifestation visuelle, soit comme c'est une médium, en fait, c'était pas une manifestation paranormale, mais un visuel qu'elle a capté de l'époque. Pourquoi ils sont pas en train de vérifier la dernière vidéo enregistrée par Betty pour qu'elle puisse leur montrer la femme? À tous les coups, sur la vidéo, il y aura rien. D'accord, ah, je l'ai filmé, je vais vous le montrer. Ah, ils ont carrément une lumière bleue et tout, lumière noire, c'est stylé. Et tu fais ça avec les draps quand tu vas à l'hôtel? J'aimerais tellement avoir cet équipement là, c'est trop cool. Oh. C'est quoi ça? C'est du sang? Est-ce qu'il y a un message sur le mur? C'est passé quoi ici? On dirait qu'il y a eu un massacre. Enfin, c'est des éclaboussures de sang dans tous les coins, mais il y a des mains qui ont été traînés, qui ont essayé de s'accrocher au mur, je crois. Quelqu'un qui s'est agrippé et qui a été emmené traîner, là, c'est sûr. Ah, il y a un message. C'est du vieil allemand. Oui, s'il vous plaît, traduisez. Personne ne guérit les mythes. Les mythes? Personne. Non, il devrait pas. Oh, le projecteur s'est allumé. Léo, c'est toi qui l'as amené ici? Non. Quoi? C'est la femme que j'ai vue. Quoi? C'est la patiente. C'est elle, la patiente 106. Théo, regarde ses poignets. Finir par leur raconter ce qui se passe ici. Le sang, les tripes, ça me dégoûte. Tombe en... Ça m'a dégoûté, ça. Qu'il y a du gore, de la découpage de chair là. Là, et ouais, ils sont coincés dans un dilemme. Il y a le groupe qui commence à se disputer à mort. Et ils veulent abandonner les 24 heures challenge là.
C'est chaud, je peux vous dire que c'est très chaud de se repérer la nuit quand tu vois que dalle, qu'il y a des trucs autour de toi à la forêt. Je me suis déjà perdue avec Amandine en forêt la nuit. Hein. C'est chaud de retrouver son chemin en forêt, c'est très très chaud. Genre, là je suis en train de... Je vois trop ce qui ressemble quand tu sens que t'as envie de partir, t'es un peu paniqué. Et t'es perdu comme ça, c'est... Je vois trop ce qu'ils ressentent. Ah, bon, c'est réconfortant d'être arrivé aux bagnoles quand même. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Les voitures ne s'allument plus. Quoi ? Ma voiture démarre pas. Voilà. Ah ! Ah ! Avec les bruits des mythes et tout, les bruits des ailes, ce sont des frissons partout, j'en peux plus. On entend nous des PVE, mais est-ce qu'elle l'entend ? Elle a pas l'air de réagir. Il y a tout plein de chuchotements autour d'elle, mais elle réagit pas. Si quelque chose, je suis prête à t'écouter. Tu parles avec moi. Là, parce qu'ils ont mélangé des voix avec des bruits d'animaux, mais ça se voit qu'il y a des voix. Ah, oh, c'est bizarre ça. Non, cette chaîne s'est terminée quelque part. Chris, ah, non. Comme ça, oh putain, ça m'aurait vraiment choqué en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, j'aurais vu Amandine comme ça sur les escaliers, mais je serais pas partie en courant. J'aurais essayé de la réanimer. Ils ont pas réussi de le réanimer. Non, vous devriez rester ici avec nous. Ouais, tout le monde se sépare de plus en plus là. Oh non, on entend quelqu'un vomir. Non, mais pensez aux hémétophobes. Où est ton portable, mec? Oh, le bruit m'a dégoûté. Merde! Betty! Narine extrême, bouche extrême. On dirait les scènes du Blair Witch. Où est ça? Qu'est-ce qu'on voit? Elle voit directement. Elle voit directement quelque chose sur la caméra thermique. C'est trop cool. Donne-moi ta main, viens. Oh, il est chiant, ce mec. Il veut l'embarquer dans des plans pas cool. Laisse-la partir! Elle a raison! Je comprends pas ce que... Elle est derrière! Elle est juste derrière moi! Elle est juste derrière moi! Ah non, c'est pas lui qui a été retrouvé mort! Elle est juste derrière moi! Putain! Quoi? Elle est derrière moi! T'es où, mec? Arrête tes conneries, tu me fais mal! Ah, c'est stressant, il va se passer un truc là! Il va y avoir un slasher! Il va y avoir un slasher! Putain, je le savais! Ah putain, elle est tombée dans le trou quoi! Ah! Puis il lui jette des trucs dans la gueule! Ah putain, merde! Oh! Il lui jette tout dans la gueule! Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait un film comique! Je peux t'aider! Et là, t'as une tonne de sable qui arrive, et maintenant il lance des espèces de béquilles à la gueule! Oh! Ça y est! Ah, mais oh mon dieu, elle va où cette corde? Putain, en plus il y a une putain de mythe qui est sortie de sa bouche et la légende dit qu'apparemment ce lieu pousse les gens à se suicider. C'est quoi ça? S'échapper. S'échapper. Personne. Putain, c'est la fin de la phrase qu'il y avait dans le lieu là où il y avait la phrase en sang. Oh non. Tu sais, je suis tellement désolée qu'on se soit disputé. Oh non. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois fière de moi pour une fois. C'est pas raté. J'ai juste dit ça parce que j'étais énervée. C'est quoi là ce qui tombe sur elle? J'ai entendu un bruit de vomi, il y a du liquide. Qu'est-ce que c'est? On dirait du vomi, mais c'est quoi? En tout cas, je pense que dans la vie, il est essentiel d'essayer de nouvelles choses et justement, ce challenge est pour moi quelque chose de nouveau. Très bien. Moi aussi, des fois, quand je suis dans un lieu, je dis allez, c'est sorti, rentre, tu seras chez toi et tout. Ça ira après. Et quoi, il va y aller ou quoi? Viens, c'est fermé devant lui la porte, n'y va pas! Qu'est-ce qu'il y a?
On sait pas. Il y a juste la caméra qui secoue, il crie. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Putain, mais il est bien ce film! C'est où la sortie? La porte du milieu. Il est trop bien! Putain, ils sont enfermés dans le couloir, il y a toutes les portes qui se ferment. Et là, c'est flippant parce que tu sais vraiment que t'es dans un truc... Elle va où? Elle court où? C'est trop flippant, c'est trop stressant. Nous, quand on regarde ça derrière nos écrans, ça va et tout, mais imaginez-vous deux secondes à leur place. Ah! Oh non! Le cauchemar! Ah, c'est un cauchemar! Ah, je crois que je vis ça dans la vraie vie, je m'évanouis de dégoût, de peur, de tout ce que tu veux, quoi. Ah, je peux pas. Mais il est affreux ce film. Franchement, je crois que j'aurais essayé. Oh mon dieu! C'est allé tellement vite! C'est quoi ce son? Non, non. C'est la caméra qui va couper? Non! Putain, merde! Ou la lumière? Oh non, on sait qu'elle est morte en vrai. Putain, ça la tire ici. Je kiffe quand on a le retour en arrière de quand ils allaient bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on emporte les autres avec nous. Laissez-nous un commentaire, partagez la vidéo. A plus, bande d'enfoirés. J'aime trop les transitions entre le moment avant et le moment horrible. Putain! Non! Le câble est lâché, putain! Ah, ils vont tous crever, putain. Ah, oh, mais c'est... Ah, oh, mon dieu, non. Ah, oh, il est trop, trop dégueulasse. Putain, c'est quoi le son là? On a eu un entendu. Putain, je serais... Ah, je vous jure qu'au casque, c'est horrible les bruits. J'ai vraiment de chaque côté, je suis immergée à fond là. C'est pas comme quand tu regardes à la télé et tout. Enfin... Aïe, wow! Mais tout le monde va se casser la gueule dans ce trou, dans ce film. C'est pas possible. J'aurais dû prendre des popcorns, j'ai faim. Je vois que des trucs qui me dégoûtent depuis avant, des chutes, des os cassés, des trucs des dégueulasses, mais pourtant j'arrive à avoir faim alors que je suis dégoûtée, quoi. Elle a envie, tout va bien. Non. Oh non. C'est plus drôle. C'est plus drôle. Ça fait longtemps que c'est plus drôle, ma chérie. Oh, la référence à Blair Witch. Avec les narines comme ça. Allez, viens. Quand tu vois ce genre de vidéo où les gens ils sont crades, en train de galérer et tout, tu te dis qu'est-ce qu'on est bien à la maison là, dans mon canapé avec Jimmy. Je pense à ça quand je fais des urbex, que je suis crade, j'ai de la poussière de partout, je me dis je vais rentrer après, je vais prendre une bonne douche, je vais être chez moi. Les opérations et tout. Alors là, je suis en choc extrême. C'est pas des vrais morts. Oh, il a pas vraiment été pendu. Oh non, on s'est fait perner tout le film, c'est énorme. Par contre, eux, ils sont vraiment... Waouh, le film est en train de tourner d'une façon. Oh, mais ils vont faire quoi? Non, qu'est-ce qu'ils font? Putain, le gars qui a organisé ça, qui avait l'air plus sérieux que les autres, c'est lui le plus déjanté. Parfois, les enfants pouvaient mémoriser des passages de Faust de Goethe. Et aujourd'hui, les gens sont devenus incapables des plaisants. C'est un taré. De l'action, des vidéos virales, voilà notre présent.
de simples vidéos. Toi qui fourres ton nez en répétant constamment que la vraie beauté vient de l'intérieur. Les filles, la vraie beauté. Oh putain. C'est ce qu'on va voir. Oh, non. Oh putain. Ça va être un vrai carnage, ça je peux vous l'assurer. Mais je oh non. Non, je peux pas regarder. Je peux pas regarder. Ah. J'aime pas le gore, j'aime pas ça, et ça m'a choqué comme il a coupé son nez là. Tu sais, non. Parfois, non. Il me manque le temps où j'ai fait oh, putain. Un tableau et que je te l'ai soufflé derrière la caméra. Ah, je peux pas. Ah, oh, je suis tellement stressée. Charlie, je n'ai jamais. Mais tu as fait tout ça. Et j'ai enfin compris lorsque je t'ai demandé de venir faire un autre choix. Non. De quoi? Non. De ton cerveau ou de ton cœur? Ah, ça me dégoûte. Ah non, il est juste derrière elle, putain. Ah non, en plus il connaît mieux les lieux qu'elle, il travaille là, putain. Ah non. Wow. Ah, elle l'a bien eu là. Franchement, je m'attendais pas à ça, la vérité. On ne sert à rien de l'appeler en criant, elle va pas venir vers toi. Hein. Ah, elle est intelligente, elle l'a bien eu. Ah, c'est bien, il est sonné là. Quel bâtard. Ah, ouais! Putain, ouais. Ils continuent tranquille à tourner la dernière scène de leur film et tout, genre. Alors que la meuf, elle s'est enfuie. Elle a le temps de prévenir la police. Ils ont pas le peur. Ils ont pas peur. Vous, très cher fan, vous êtes amusé. Vous avez eu votre dose de sang. Ensuite, mes temps. Faut bien qu'il reste quelqu'un pour faire le montage. Mon Dieu. Est-ce qu'elle va aussi se buter une fois que ce sera mis en ligne? Yo les amis, encore moi. Mais pourquoi elle fait le montage ici, la meuf? Elle pourrait partir? Comme elle regarde quand même grosse psycho. Hein? Elle avait quelque chose de démoniaque, elle? C'est la seule qui a survécu et elle était quand même finalement hantée par la patiente? Donc là, on a un visuel comme si on était en train de regarder la vraie vidéo YouTube, hein. Ah putain. Bon, ouais, clairement pour moi c'était un bon film. Je sais pas pourquoi il y a eu des petits mauvais échos là-dessus. Je me suis pas fait chier du début à la fin. J'ai kiffé l'ambiance du début. J'ai kiffé l'installation, comment ils avaient lutté quand ils voulaient ressentir un petit peu ce truc d'excitation, de palpitation, parce que c'est un groupe d'amis qui s'attendait pas à avoir autant de manifestations. Quand on est ancré dans le truc, on se dit putain, il y a une malédiction. Finalement, quand tu vois, non, c'est juste des psychos et tout. Et finalement, retournement de situation, parce qu'on dirait, il y a une meuf qui est quand même maudite ou possédée. Enfin, ah! Bref, truc de dingue. Ce film fait quand même référence à cette nouvelle génération et aux dingueries que ça peut. Produire par rapport à ce que les gens veulent voir, des youtubeurs, par rapport à comment ça peut te pousser à faire des choses dingues, des folies apparemment. Ouais, c'est ça en fait. J'ai retenu ce petit moment où bah, le gars qui a fini par buter tout le monde, il a dit à son pote, ouais, avant on faisait des vidéos et tout, mais personne les regardait et t'as fait que du buzz, du putaclic. Il a fait, ouais, mais parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent voir. Putain, c'est la vérité, hein. Des fois, on vit dans un monde de fous. Des fois, je vois des vidéos de fous sur internet qui sont vraiment toutes cramées, toutes putaclic. Et putain, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Et je trouve que, mine de rien, je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez vu le film en entier, mais il y a une espèce de petite morale derrière ce film, en fait, j'ai l'impression. Et je suis totalement d'accord avec, en fait. C'est grave, hein. Mais en tout cas, voilà. Très bon film, très beau retournement de situation. J'adore toutes les scènes de caméra embarquées. Quand t'écoutes au casque ou si t'as un truc... Ah, comment ça s'appelle? Ou si t'as un truc chez toi, un home cinéma et tout, ce que moi j'ai pas. Bah, en tout cas, tu peux vraiment être à fond ancré dans le film, dans le moment, c'est beaucoup mieux. Clairement, ouais. Pour moi, c'est un très bon film, je le retiens. Et
Je le ferai découvrir pendant une soirée film entre amis à des potes si certaines personnes n'ont pas encore vu. C'est intéressant, je trouve. Juste, c'est un petit peu de temps. J'aime pas revoir deux films d'affilée comme ça rapidement, mais franchement, je le mets dans ma liste. Ça fait partie des films que, genre, même l'année prochaine, s'il faut, tu vois, pour une petite ambiance entre amis, soirée popcorn et pizza, bah voilà, tu vois. Très bon film pour moi. Très, très bien. Donc, clairement, je vous le conseille à fond, que ce soit seul ou entre amis. Voilà. J'ai passé un bon moment avec Jimmy et j'ai trouvé que c'était encore plus immersif de demander à mon copain de partir pour que je puisse être seule dans la maison avec Jimmy et les chats pour regarder ce film et encore plus avec le casque. Donc voilà, je trouvais que l'expérience a été très très cool et je recommencerai pour vous en faire avec d'autres films sûrement à voir. N'hésitez pas à me dire si ça vous a, si ça vous plaît, si vous rigolez à passer un bon moment avec moi. Je sais que je suis quelqu'un qui réagit beaucoup, donc je sais que je vais rigoler à mort au montage en faisant le montage de cette vidéo. Quand je vais voir mes faciès, mes tronches et tout, ça va me faire bien rire. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo, activer la cloche pour ne pas louper des prochaines. Et moi, je vous dis sur ce, à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, si vous aimez un peu les films d'horreur, les trucs comme ça, je vous invite à aller voir un peu mes podcasts. Je vous ai fait un truc super intéressant qui n'a pas été assez vu, genre sur James Wan, le maître de l'horreur. C'est une vidéo qui a demandé beaucoup de travail, qui mérite d'être vue. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir, elle est dans la playlist des podcasts. Voilà. Il y a plein de trucs qui vous attendent. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à découvrir la chaîne. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !